Quelqu'un lise pour nous. Let someone read for us. L'évangile de Luc, chapitre 1, versets 73 à 75. The gospel according to Luke, chapter 1, verse 73 to 75. Selon le serment par lequel il avait juré à Abraham, notre père, de nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte, en marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice, tous les jours de notre vie. Amen. Dans le dessein de Dieu. In the purpose of God. La délivrance précède le service. Deliverance comes before the service. Dans les desseins de Dieu. In the purposes of God. Si tu n'es pas délivré, if you are not delivered, tu ne peux pas servir Dieu. You cannot serve God. Dieu avait promis à Abraham. God promised to Abraham que le peuple d'Israël allait le servir sans crainte en marchant dans la sainteté et dans la justice tous les jours de leur vie. That the people of Israel would serve him without any fear by walking in holiness. Mais il avait pris soin de lui dire que ce sera après qu'ils aient été délivrés. But he took care to tell them that that will be after that he has delivered them. C'est Dieu qui nous a créés. It is God who has created us. Après la chute. After the fall. C'est lui qui a défini le plan de rédemption. He is the one who defined the plan of redemption. Dans ce plan. In that plan. Il sait qu'un homme sous la domination des méchants esprits ne peut pas être efficace. He knows that a man under the rule of wicked spirit cannot be efficient. Il ne peut pas marcher avec Dieu. He cannot walk with God. Il est un esclave. He is a slave. Et il a fait la promesse. And he did the oath. Et avec serment. With a oath. Qu'il allait délivrer le peuple. That he is going to deliver the people. Et que le peuple allait marcher devant lui dans la sainteté et dans la justice sans crainte tous les jours de leur vie. And that these people will walk before him in holiness and in without fear every day of their lives. Après leur totale délivrance. After their total deliverance from their enemies. Donc la délivrance. So the deliverance n'est pas quelque chose de facultatif. It's not something optional. Les gens sont en prison. People are in prisons. Ils peuvent évangéliser qui et quoi? Who can then tell the gospel to? Les prisonniers. Prisoners. Il faut d'abord casser la prison, les libérer. It takes first that we break the prison and set them free. Et c'est pour cette raison que Jésus a prévu la libération des captifs, la délivrance des prisonniers. This is why Jesus planned the deliverance of the captives and the deliverance of the prisoners. Si quelqu'un n'est pas guéri, if someone is not healed, emotionally, si quelqu'un voulait être médecin, if someone wanted to be a doctor, medical doctor, et qu'il se retrouve planteur, and that he found himself as a planter, et qu'il pleure tous les jours, that every day he cries, il a pitié de lui-même, il veut se suicider, he pity himself, he want to commit suicide, parce que selon lui, il a raté la vie, because according to him, he il has ne missed peut his pas life. Être efficace. He cannot be efficient. Pour être efficace, to be efficient, il faut s'accepter. You must accept yourself. Il faut guérir emotionnellement. You must heal emotionally. David, le psalmiste disait, the psalmist said, qu'il était une merveilleuse créature. That he was a marvelous creature. Pour qu'un homme devienne utile à lui-même. For someone to become useful to himself. Il faut qu'il se regarde comme une merveille de Dieu. He must look himself as a marvel of God. Quel que soit ton teint, quel no que matter soit your skin color. Quelles que soient tes infirmités. No matter your infirmities. Écoutez le commandement, le deuxième commandement. Listen the command, the second one. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. You will love your other as yourself. Ça veut dire que si tu ne t'aimes pas, il y a un problème. It means that if you don't love yourself, there is a problem. Il y a deux commandements. There are two commands. Le premier. The first one. C'est aimer l'Éternel. Is to love tout the eternal, ton cœur, with tout ton all your âme heart, et toute your ta pensée. Souls and your thought. Et le deuxième, and the second one, tu aimeras ton prochain is to love over comme toi-même. As yourself. Même si tu n'as pas des dents, tu dois t'aimer.
Even if you have no teeth, you must love yourself. Même si tu n'as pas Dieu, que tu ne vois pas, tu dois t'aimer. Even if you have no eyes and that you are blind, you must love yourself. Même si Dieu doit opérer des miracles dans ta vie, tu dois d'abord t'accepter. Even if God should operate miracles in your life, you must first of all accept yourself. Tu dois contempler la bonté de Dieu dans ta vie. You must contemplate the goodness of God before. Une merveilleuse créature. A marvelous creature. Jésus guérit les cœurs brisés. Jesus heals broken hearts. Quand une femme porte le deuil. When a lady is yearning. Parce que son mari est décédé. Because her husband is dead. Elle porte ça toute la vie. And all a life she's bearing it. Tu ne peux pas être efficace. You cannot be efficient. Un homme méchant te déçoit. A wicked man deceives you. Et tu deviens malheureuse toute la vie. And you become unhappy all your life. Réveille-toi. Wake up. Et vis. And live. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus Christ. Jésus est venu guérir les cœurs brisés. Jesus has come to heal broken hearts. You are there. Oh, my heart. Et le bandit se promène. And the bandit is wandering. Avec joie, joyfully. Et toi, tu es mon cœur. And you are there, I my heart. Et quand je pense à ça, when I think about it. Réveille-toi. Wake up. Et vis au nom de Jésus. And live in the name of Jesus. Tu verras que ton langage va changer. Si tu prêches, les gens vont se convertir. You will see that your language will change. If you preach, people will get converted. Est-ce que nous sommes ensemble? Are you with me? Il y a quelqu'un. Sa femme devait se repentir. But someone whose wife should repent. Il dit, dis-moi tout. Comme tu te repens maintenant, dis-moi tout. He says, tell me everything as you are repenting. Dis-moi tout. Il a tell fait me, tell me everything. Il savait que la transparence. He knew that transparency. Une exigence du Saint-Esprit. Is a requirement of the Holy Spirit. La femme lui a dit que bon, ton ami là, on a fait tout tel autre, on a fait. Et il s'est mis à pleurer. Il pleurait. I slept with your husband, your friend. And je lui ai dit, qui t'a dit de chercher? Who told you to seek that? Il marche, il pleure. Il marche, il pleure. He walk and cry, he walk and cry. Plus de deux semaines. During more than 2 weeks. Il faut être grand. You must be great. Quand tu rentres à la maison, ne marche pas comme ça pour surprendre les gens qui parlent de toi. When you go home, don't walk like this. Tu vas entendre. You want to hear. Et tu vas tomber malade. And you will fall sick. Il est venu guérir ceux qui ont le cœur brisé. He has come to heal broken hearts. Les gens délivrés, ce sont ceux-là qui rendent ministère. It is people, delivered people, who can minister. Lisez pour nous Luc chapitre 11, versets 21 à 23. Read for us Luke chapter 11, verse 21 to 23. Lorsqu'un homme fort et bien armé garde sa maison, ce qu'il possède est en sûreté. Mais si un plus fort que lui survient et le dompte, il lui enlève toutes les armes dans lesquelles il se confiait et il distribue ses dépouilles. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Amen. Le diable, the devil, ne peut pas être partout à la fois. Cannot be everywhere at the same time. Comme Dieu. As God. Vous voyez un seul esprit et en tous les croyants. You see, only one spirit is in all believers. Mais le diable, ne pouvant pas le faire, but the devil, unable to do so, a choisi de poster les esprits méchants. Has chosen to post the wicked spirits. Chaque continent a un esprit. Each continent has a spirit. Un prince satanique. A satanic prince. Chaque pays. Each country. Chaque ville. Each town.
Chaque pays a un esprit différent de celui qui est sur le continent, celui qui est sur la ville, sur le pays différent de celui qui est sur la ville. Each country has a spirit different from the one on the continent. Each town has a spirit different of the one who is on the country. Ça va comme ça juste dans les villages. Chaque village a un prince satanique. It goes till the villages and each village has a satanic prince. Qui gouverne. Which rules. Et au niveau de la maison paternelle, chaque maison a and un esprit. In the father house, each house has a spirit. Et maintenant, les gens ont des démons, mais il y a un chef démon pour chacun. People have demons, but there is a chief of all of them, who is called the strong man. Tous ces esprits-là, all the spirit, ne vivent que du péché. Lives only upon sin. Les démons, pour être adorés, demons to be worshipped, se cachent derrière les péchés et les idoles. Hide themselves behind idols and sins. Quand tu te mets à genoux devant un morceau de bois, when you kneel before a piece of wood, en réalité, le morceau de bois n'est rien, mais il y a un démon derrière. Actually, the piece of wood is nothing, but there is a demon behind. Qui reçoit toute cette adoration? Who receive all that worship? Lis pour nous 1 Corinthiens chapitre 10 verset 20. Read for us the first book. 2 Corinthians chapter 8, verse 20. Je dis que ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Amen. Donc, les gens ne savent pas que les démons sont derrière les bouteilles, les pierres, les morceaux de bois. That demons are behind the bottles, the stone, and the piece of wood. Quand tu dis apporte un poulet blanc, when they tell tu donnes ça à un démon. Bring a white chicken is to give it to a demon. Alléluia. Amen. Et le Seigneur dit, and the Lord says, pour délivrer quelqu'un, to deliver someone, pour prendre quelqu'un et donner à Jésus, to take someone and give to Jesus, il faut d'abord vaincre l'homme fort qui domine sur lui. You must first overcome the strong man who is ruling on him. Si tu ne l'as pas renversé, if you have not overthrown him, tu prends cet homme, tu l'amènes, le diable le cherche, il vient l'attraper, il ramène. You take this man, you bring it to Jesus, the devil seek him and take him back. Il faut d'abord désarmer l'homme fort. You must first disarm the strong man. Là, tu peux prendre ses victimes, ses esclaves, then sortir avec you eux. Can take his victims, his slaves, and go. Les visions que les frères ont, the vision the brothers have, qui partent libérer leur famille des prisons, ça veut dire que l'homme fort a perdu déjà l'autorité. Who go and set the families free from prisons means that the strong man has already lost the battle. Mais dans les desseins de Dieu, but in God's purposes, les âmes viennent par l'évangélisation. Souls come through evangelization. Donc, même si Dieu nous a montré comment les familles sont libérées, even if God has shown us how families are freed, il faut maintenant un plan intelligent pour aller prêcher et les gagner à Christ. We now need an intelligent plan to go and preach the gospel to them and win them to Christ. L'avantage ici, c'est que les principautés sont déjà liées, ils sont tombés. Is that the principalities are already tied and they have all fallen down. Vous allez voir, certaines personnes vont venir étant déjà dans le jeûne. Elles vont se renseigner. On va leur dire que là-bas, on va te demander de te repentir et ils vont commencer le jeûne même avant d'arriver. You will see some people coming already fasting because they will ask and people will tell them that when you will reach there, they will ask you to repent and fast. Vous voyez, les témoignages sont des messages, des prophéties. Testimonies are messages and prophecies. Quand quelqu'un dit je ne pouvais pas jeûner, je jeûne. Vous when someone says I could not fast, les principautés now sont vaincues. It means that the principalities are overcome. Quand elles étaient là, when they were there, dès que tu commences le jeûne, ils prennent une fourchette, ils piquent ton estomac. As soon as you start tu the fasting, à manger. They take a fork and
and peace your stomach and you start eating. Maintenant tu es libre. Now you are free. Si tu commences un jeûne, tu vas finir. If you start the fasting, you will end it. Si tu dis là que tu vas te, vous avez le frère Ori, il est délivré. Brother Ori is delivered. Il s'est repenti. Il n'y avait pas de pasteur là-bas. C'était la nuit. Il there was no pastor there. It was il in the night. Seul. He walked alone. Quand les principautés sont debout, when principalities are up, tu veux travailler seul, ils prennent ta tête, ils mettent dans la boue. Tu dors. You want to walk alone, they put your head and put it in the dust and you sleep. Et la croisade finit, rien n'a changé. And the crusade ends, nothing has changed. Jésus dit que si on n'a pas lié l'homme fort, Jesus said that if a strong man has not been tied, on ne peut pas prendre les choses dans la maison. On ne peut rien récupérer. On ne peut rien sauver. We cannot collect anything in the house. Et Jésus dit, and Jesus says, celui qui n'est pas avec moi est contre moi. The one who is not with me is against me. Les, tous ceux qui n'ont pas Jésus, all those who has no, not Jesus, doivent savoir qu'ils sont contre Jésus. Must know that they are against Jesus. Il n'y a pas de neutralité. There is no neutrality. Il n'y a pas de position neutre. There is no neutral position. Il y a deux positions. There are two positions. Tu es avec Jésus. You are with Jesus. Ou tu es avec le diable. Or you are with the devil. Et Jésus nous dit, voici le test. And Jesus tells that this is the test. Le test c'est que tous ceux qui ne sont pas avec Jésus, the test is that all people who are not with Jesus, ne vous trompent pas. Let them not deceive you. Ils sont contre Jésus. They are against Jesus. Donc ils sont pour le diable. So they are for the devil. Ta vie glorifie soit Jésus. Your life glorifies or Jesus. Soit le diable. Or the devil. Et je sais que ceux qui sont sincères peuvent savoir que leur vie glorifie le diable. And those who are sincere can know that their life glorifies the devil. Ils hésitent toujours. They hesitate every day. Et ils se cachent dans les religions. Ils se they cachent. Moi, je suis catholique. Religion, moi, je suis catholique. I'm Catholic. Moi, je suis musulman. I'm moi, je suis protestant. I'm Protestant. Mais le vrai problème, but the true point, c'est qu'ils sont contre la lumière. Is that they are against light. Parce que être contre Jésus, c'est être contre la lumière. Because being against Jesus is to be against the light. C'est être contre la vérité. Is to be against the truth. C'est travailler pour le mensonge. Is to work for lies. Et quand les gens disent que ils ont cru, toi, si tu dis non, moi aussi je suis croyant. Non, tu n'es pas croyant. When people say that they have believed that there are two, very two are believers. Ils disent ceux qui n'assemblent pas avec moi dispersent. Those who does not gather with me scatter. Quand tu n'as pas Jésus-Christ. When you have not Jesus Christ. D'une manière véritable. In a true way, tu vas découvrir que dans ton cœur, il y a de la haine contre les vrais enfants de Dieu. You will discover that in your heart there is hatred against children of God. Tu vas découvrir que tu méprises ceux qui aiment Jésus d'une manière évidente. You will see that you despise people who love Jesus in an evident way. Tu vas critiquer leur engagement et leur zèle. You will criticize their commitment and their zeal. Donc tu disperses. So you scatter. Tu es contre Jésus. You are against tu Jesus. Tu ne l'aimes pas. You don't love tu him. Tu n'aimes pas son œuvre. You don't love his work. Tu n'aimes pas sa venue dans le monde. You don't love his coming in the world. Quand on te dit que le monde va finir, tu es fâché. When they say that the world will end, you are angry. Quand tu dis que Dieu va juger les méchants, tu es fâché. When it is said that God will judge the wicked ones, parce you are upset. Dans ta tête, because in your head, tu es un avec le méchant. You are one with the wicked. Il y a des gens même dans cette salle. There are people even in this hall. Si toi tu es en train de condamner le diable que l'adultère n'est pas bien, c'est mauvais et ils se mettent en colère. That adultery is not good. They get upset. Alors que tu n'es même pas en train de parler d'eux. Why you are tu ne not parles not même about pas them. De l'homme. Tu ne parles même pas des hommes. You are not even about human beings. Tu condamnes le péché. You are condemning et ils se mettent en colère. And they are upset. Ils sont en train de dire nous sommes les enfants du diable. They are saying that they are the son, the children of the devil. C'est un autre langage clair. It's another clear tone. Pour dire que nous sommes les enfants du diable. To say that we are the children of the devil. J'ai demandé à quelqu'un. Moi, je parle
du péché, toi tu te fâches et que j'ai parlé mal de toi. I asked someone, I'm just about sin and you are angry. Did I spoke the wrong way? Tous ceux qui ne sont pas avec Jésus. All people who are not with Jesus. Sont contre Jésus. Are against him. Est-ce que nous sommes ensemble? Are you with me? Et le travail que nous sommes en train de faire pour and les the familles, work we are in for our families, c'est le même travail que tous les missionnaires doivent faire au niveau de leur ville et leur nation. It is the same work that all the missionaries should do in their towns and their nations. Oh Dieu, pardonne. Oh Lord, forgive. Oh Dieu, délivre. Oh Lord, oh God, deliver. Tu dis à Dieu, tu m'as envoyé dans ce pays. You tell God, you sent me in this country. Les gens ne croient pas. People are not believing. Les oreilles sont bouchées. Their ears are blocked. Pardon. So, please. Parce que tu m'as envoyé. Because you sent me. Je veux leur parler. I will speak to Mais them. Ouvre les oreilles. But open their ears. Pour qu'ils entendent. So that they hear. Permet qu'ils comprennent. Allow that they understand. Et qu'ils se convertissent. And that they convert. Qu'ils soient sauvés. And be saved. Tu lui dis, oh Père. You tell him, oh Father. Ils méritent la condamnation. They deserve condemnation. Parce qu'ils sont attachés aux idoles. Because they are attached to idols. Mais tu m'as envoyé. But you have sent me. Tu m'as béni. You blessed me. Et tu as dit que tu es avec moi tous les jours. And you said that you are with me every day. Si un missionnaire intercède comme ça, if a missionary pray this way, il va remarquer que même les incrédules, he will see that even the unbelievers, que Dieu avait endurci lui-même, that God himself hardened, seront libérés, will be free, et ils vont commencer à écouter l'évangile, and they will start listening et les gens to vont, the gospel. Les gens vont s'étonner. And people will be amazed. Pourquoi quand toi tu parles, les gens croient? Why when you speak, people believe? Non, tu as, il a travaillé devant Dieu. No, you have worked before God. Tu as obtenu la grâce pour eux. You have got the grace for them. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Et quand tu pries pour ta famille? And when you pray for your family? Les principautés c'est quoi? What c'est are des principalities? Esprits qui gouvernent un territoire. There are spirits who rule on a territory. Dans le dictionnaire, principauté c'est un petit pays avec un prince. In the dictionary, a principality is a small country with a prince. Donc, dans une maison paternelle, l'esprit qui domine toute la maison, toute so la maison in paternelle, an house, c'est une principauté. In a household, the spirit which rule on the whole house hey. Is a principality. Elle a beaucoup de démons and à son service. He has lot of demons at his service. Ils peuvent, elles peuvent venir de l'eau. They can come from water. Des eaux. From waters. Du séjour des morts. From the space of the place of death. Des lieux célestes. From the heavenly places. Quand Paul dit qu'il y a les méchants esprits dans les lieux célestes, c'est les principautés. Apostle Paul said that there are wicked evil spirits in the heavenly places. There are principalities. Elles sont nombreuses dans le chacun s'occupe there de son numerous, pays, chacun and everyone is à Abidjan comme ça, responsible celui de Port, celui de Port Boué là avec ses démons. In Abidjan, the one of Port Boué is with celle de Port Boué, celle d'Adjamé. Adjamé. Parfois ils ont la guerre comme c'est un royaume divisé, ils luttent là-bas entre. Sometimes there are wars, they fight against each other. Quand on prie comme ça là, quand on dit Seigneur, ça bombe, boum, il se disperse. When we pray and say Lord, they are scattered and it become empty. Ils fuient. They flee. Parce que le ciel est bombardé. Because the heaven is bombarded. S'il n'y a pas de prière, ils se rassemblent, ça se ferme encore. When there is no prayer, they just gather and they close it again. Tout devient noir en bas. And everything become dark. Quand on dit Seigneur, Seigneur, Seigneur. When we say Lord, 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 Lord. Elles se dispersent. They are scattered. C'est là où les anges passent. Les it's anges at the descendent. Place the angels come down. Est-ce que nous sommes ensemble? Are you with me? Donc l'église peut libérer des so armées par une prière fervente. Can three armies by a fervent prayer. Jésus a dit à Nathaniel,
tu verras désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Jesus told Nathanael, you will now see the sky open and the angels of God coming up and down on the Son of God. Dit, vous verrez désormais les grandes choses. It means that you will now see great things. Si le ciel s'ouvre, if the sky opens, vous verrez les grandes choses. You will see great things. Des guérisons vont se multiplier. Tu ne sauras même pas quand tu as été guéri. Healings will multiply. You won't even know when you got your healing. Les cancers, les boules, tous cancers, les boules, les organes seront changés. Organs will be changed. Parce que quand le ciel est ouvert, l'armée du ciel travaille. L'armée du ciel travaille. When the sky is open, the army is working. Et c'est à l'homme que cela a été confié. And it is to man that this work has been entrusted. Quand Dieu a créé les cieux et la terre, il a donné le jardin d'Éden à l'homme pour garder et cultiver. When God created the earth, he gave it to man to cultivate and to guard it. L'intercession pour les hommes, l'évangélisation, the praying for ont men, été données aux hommes, pas aux anges, aux hommes. The evangelization was entrusted to men. C'est nous qui devons ouvrir le ciel. We are the one who must open the sky. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Certaines principautés viennent des déserts. Some principalities come from the wilderness. Il y en a qui viennent des abîmes. Some come from the abyss. Vous verrez que si vous allez chez les sorciers, les magiciens, you will see that when you go to the magic man, the marabout, certains te disent va au bord de l'eau. Some will tell you go at the water side. Ça veut dire que leur puissance vient des principautés des eaux. It means that the power comes from the principalities of the waters. L'autre te dit va sur une montagne. Another one will tell you go on a mountain. Tu vas jeter ça là-bas. You go and throw it. Ça veut dire que c'est là-bas que se trouve leur dieu. It means that in that place, his power and his God is. Un autre te dit va au cimetière. Another one will tell you to go to the cemetery. Tu prends la terre d'une tombe. You say take the half of a tomb. Ça veut dire que pour eux, la vient du séjour des morts. It means that for them comes from the dead place. Il y en a qui te disent va au carrefour à minuit. One will take you go at the crossroad at midnight. Ce sont des esprits de territoire. Il y a des portions de territoire occupées par certains démons. There are areas which are busy with some demons. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Qu'est-ce qui se passe donc quand les gens vivent dans l'idolâtrie? What is on then when people live in idolatry? Dieu les abandonne. God abandoned them. Et les démons dominent sur eux. And demons rule on them. Pour être délivré. To be delivered. Ne croyez jamais. Never believe. Qu'un démon peut bénir quelqu'un. That a demon can bless someone. C'est une erreur très grave. It's a very big ne croyez error. Jamais. Never believe. Qu'un démon peut protéger quelqu'un. That a demon can protect someone. Jésus a dit. Jesus said, l'ennemi vient the enemy pour dérober, to steal, par expérience, by experience, et examiner les oppressions. Let's check the oppressions. Tel démon veut partir, il va aller avec les papiers, les diplômes, les diplômes. Such a demon wants to go, he wants to leave the diplomas. Un enfant va à l'école toute sa vie, il se fatigue. A child goes to school all his life, he works, and the demon takes it. Il prend son diplôme. He takes his diploma. Tu es là, tu chômes partout, tu you ne are travailles there, pas. Jobless, no work. Le frère Yahweh nous disait que le démon lui a dit, voici ta sacoche. Brother, j'ai tes diplômes, c'est pour moi. The demon said, this is your bag, I have your diploma, it's for, there for me. C'est un témoignage qui m'a irrité. It's a testimony which upset me. Qu'un enfant va à l'école de la that maternelle a child go jusqu'à to school from l'université, the le démon prend son diplôme. Il garde. And a demon takes his diploma and keep it. Les démons ont les robes de mariage. Ils font quoi? Ils font demons quoi have the wedding robe. What are they doing with? Et partout, le célibat. And everywhere, singleness. Pour ça, pour comprendre le phénomène. To understand the phenomenon. Le mariage est une institution de Dieu. Marriage
is something instituted by God. Le diable ne veut aucun mariage. The devil doesn't want any kind of marriage. C'est ce que vous devez remarquer. This is what you must le diable get. Veut l'immoralité, la prostitution, the devil wants immorality, mais pas de mariage, but no marriage. Homosexualité, concubinage, homosexuality, si c'est ça, lesbianism. Vraiment, if it is libres. That, they are free. Mais mariage, but marriage, selon la Bible, according to the Bible, le diable n'aime pas. The devil does not like it. L'apôtre a même, il y a une prophétie qui dit que les démons enseignent aux gens à ne pas se marier. There is a prophecy which says that demons teach people how to not get married. Est-ce que nous sommes ensemble? Are you with me? C'est pour cette raison que la Bible dit honorer le mariage. This is why the Bible says honor the marriage. Même si tu n'es pas marié. Even if you are not married. Ne dis jamais que le mariage c'est quoi. Don't say marriage is what. C'est très dangereux. It's very dangerous. C'est comme si tu veux dire à Dieu que la vie c'est quoi. It's as you want to tell God what is life. Alors que tu pries chaque jour pour ne pas mourir. While you are always praying not to die. Il y a le diable dans cette affaire. There is a devil in this business. Et partout où il y a mari de nuit. Everywhere il y a pauvreté, there is a spirit husband. Colère, méchanceté, poverty, prostitution. Anger, wickedness and prostitution. Une sœur m'a dit. A sister told me. Que je pouvais dire à quelqu'un donne-moi 100,000 francs avant de me toucher. I could tell someone give me 100,000 before touching me. La personne me donne. And he gives it to me. Mais si je dis à la personne. But if I tell the person. Que je t'aime, je vais t'épouser. Just I love you, I want to marry you. La relation finit le même jour. The relationship ends the same day. Elle dit qu'il y a eu des hommes qu'elle a aussi aimé. She said that there had been men that she loved. Dès qu'elle dit à quelqu'un, dès que la personne lui dit je vais t'épouser. As soon as the man tell him I want to marry you. Elle t'insulte copieusement et t'abandonne. She insults you clearly and she forsakes you. Elle dit qu'un jour elle vivait avec un monsieur, ils sont partis faire le coq-coq, ils ont pris une maison, ils ont loué une maison et devaient aménager lundi. She says she lived with a man. He went and see a parent and pay what was and they were to live together on Monday. Vendredi, le mari de nuit l'a visité. Friday, the spirit husband came. Elle a pris les clés de la maison, jeté sur le monsieur, le chassé. She took the keys of the house, threw on the man, fini, je ne veux plus. And cast him and said, "It's over. I don't want." Le diable est contre l'institution de Dieu. The devil is against the institution of God. La guerre contre le célibat est une guerre très spirituelle. The war against the singleness is a very spiritual matter. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette salle qui veut donner sa vie à Jésus? Is there someone in this hall who wants to give his life Lève to Jesus? Put your hand up. Si tu es là pour la première fois, tu veux donner ta vie à Jésus, viens. If you are here for the first time and wants to give your life to Jesus, come quickly. On vous bénit et on vous conduit à Christ. Après, on va prier ensemble. We bless you, lead you to Christ, and we'll pray together. Venez rapidement. Come quickly. Exhortez ceux qui sont à l'extérieur qu'ils entrent. Advise people who are outside to come in. Tous ceux qui sont en haut qui veulent donner leur vie à Jésus, venez descendre. All people upstairs, come down. Tu fais partie des gens qui ont crucifié Jésus. You are among people who crucified Jesus. Venez, venez, venez. Come, Alléluia. come. Venez, venez, venez. Come. Alléluia. Acclamons pour Jésus-Christ. Let's clap for Jesus. Si quelqu'un n'est pas avec moi, il est contre moi. If someone is not with me, he is against me. Si tu es contre Jésus. If you are against Jesus. Si tu meurs. If you die. C'est le lac de feu. It's the lake of fire. Le lac de feu, le lac de feu, le lac de feu. The lake of fire. Levez vos mains. Dites Seigneur Jésus. Lord Jesus. Je te donne ma vie. I give you my life. Je ne veux pas être contre toi. I don't want to be against you.
Je suis avec toi. I am with you. Je suis avec toi. I'm with you. Je laisse le péché. I forsake sins. Je prie que tu me pardonnes. I pray that you forgive me. Que tu me sanctifies. That you sanctify me. Je veux te servir avec tes enfants. I want to serve you with your children. Écris mon nom dans ton livre de vie. Write my name in your book of life. Vous allez demander à Dieu de sauver vos familles. You'll ask God to save your families. Si Dieu intervient dans ta famille, vous êtes bénis. If God intervenes in your family, you are blessed. Il donne le salut. He gives salvation. Il donne la guérison. He gives healing. Il donne la restauration. He gives restoration. C'est lui qui est le vrai Dieu qui protège. He is a true God who protects. Les idoles sont des mensonges. Idols are liars. Frères bien-aimés. Beloved brothers. Et comme nous avons lu hier dans le livre du frère Zach. And as we read yesterday in the book of brother Zach. Il dit quand Dieu te demande de renverser une principauté. He said, when God asks you to overthrow a principality, il te donne des instructions. He gives you instructions. N'oubliez jamais ça. Never forget that. Et pour ce qui nous concerne, and regarding us, pose-toi la question. Ask yourself, qu'est-ce que Dieu nous a révélé pour renverser une principauté? What has God revealed us to overthrow a principality? On peut faire des combats spirituels. We can make spiritual warfare. Le combat spirituel ne veut pas dire nécessairement qu'on renverse les principautés. The spiritual battle does not mean that we just overthrow principalities. Pour renverser une principauté personnelle. To overthrow a personal principality. Il faut traiter avec le péché personnel. You must work on your personal sins. Le royaume de Dieu ne s'accomplit que quand on détruit le royaume du diable. The kingdom of God only comes to life when you destroy the kingdom of the devil. Et comment détruit-on le royaume du diable? And how do we destroy the kingdom of the devil? C'est en libérant les hommes de la puissance du péché. It is by setting people free from the power of the sin. Et des liens de leur péché. Il y a les péchés et le péché. There is sins and the sin. Quand le Saint-Esprit descend, when the Holy Spirit comes down, il résout le problème de la délivrance du péché. He sort out the issue of the deliverance of sin. La loi de l'esprit de vie m'a délivré de la loi du péché et de la mort. The law of the spirit of life has delivered me from the law of the sin and Mais death. Pour tes péchés personnels. But for your personal sins. Il faut la vraie repentance. You need true repentance. Maintenant. Now. Les péchés qui reviennent dans la vie des enfants de Dieu, les vrais enfants de Dieu. Sins who come back in the life of the true children of God. Sont à prendre très au sérieux. Are to take very seriously. C'est sur ces péchés-là que le diable concentre ses efforts. That the devil concentrates his efforts. C'est pour cette raison qu'il est dit dans 2 Pierre chapitre 2, versets 19 à 21. This is why it is told in the book of Peter. Que et promettent aux hommes la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption. While they are themselves slaves of corruption. Car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. For each one is slave of what has overcome him. Donc le diable, les principautés cherchent le péché qui a dominé, qui t'a vaincu. So principalities are looking for the sin who has dominated you, who has overcome you. Ils se tiennent dessus. They stand on it. Et ils règnent. And they rule. Et si c'est la colère. If it is anger. C'est l'esprit de colère qui va régner sur toi. It is the spirit of anger which will rule on you. Les autres esprits vont venir l'aider. The other spirit will come and help him. Si c'est la masturbation. If it is masturbation. C'est le prince de la masturbation qui va venir. It is the prince of masturbation who will come. Les autres sont derrière lui. The rest are behind him. Le diable se demande quel est le péché qui a triomphé de celle-ci ou de celui-ci. The devil asks himself which among the sins has overcome this one. Si c'est l'alcool. If it is alcohol. C'est lui le chef. He is the chief. Les autres viennent l'aider. The rest are at his service. Si c'est l'orgueil. If it is pride. Qui a triomphé de toi. Who has overcome you. Ça sera la principauté de l'orgueil. Les autres viennent l'aider. It will be the principality of pride.
of pride, and the rest will come and help him. Donc, si tu résous, si tu déracines, so if you uproot, c'est-à-dire que si tu traites ce péché-là en l'arrachant, if you treat this dès sin la racine, by uprooting it, la principauté tombe. The principality falls. Quand Jésus a envoyé les disciples prêcher l'évangile et prêcher, non, annoncer la repentance. When Jesus sent the disciples to announce repentance, la Bible dit, the Bible says, ils sont venus rendre compte à Jésus. They came and report to him, que to Jesus. Les démons même nous sont soumis. They say, even demons are submitted to us. Qu'est-ce que Jésus leur a dit? What has Jesus said? Je voyais Satan tomber comme un éclair. I could see Satan falling down as. Pendant que les gens se repentent, while people are repenting, Satan tombe comme l'éclair. Et ils ne voyaient pas. Satan is falling as the lightning. Et ils voyaient les âmes qui se repentaient. They could see people repenting. Et ils voyaient les démons qui obéissaient à l'ordre de partir. They could see demons who were obeying the order to go out. Mais Jésus savait que le diable a perdu l'autorité, il est tombé. But Jesus knew Bam. That the devil has lost Bam. Authority Bam. And has fallen down. Bam. Alléluia. Amen. Quand il y a la conversion, when there is conversion, les auteurs tombent. The head fall down. Est-ce que nous sommes ensemble? Are you with me? Ne négligez pas cet aspect-là. Don't neglect this aspect. Que tous les faiseurs de disciples. Or let all disciples make us. Aide les disciples à déraciner ce péché qui veut rester là. To uproot this sin which want to remain. Ça peut être la paresse. It can be laziness. On te donne un travail, tu fais 3 mois avec. You are given a work and you spend three months with it. Tu es sincère, tu es honnête, tu you are sincere, y a pas de problème, you are honest. Quand tu lances un pied, c'est comme ça. On va chercher que telle principauté venait, la paresse a vaincu celui-ci. And they will look for principalities and say, principality, please come. Laziness has overcome this one. Il y a des gens qui n'ont pas un raisonnement sain. There are people who have not a sane, a holy reasoning. Tu lui dis bonjour, il interprète ça. You tell him good morning, he interprets it. C'est une principauté. It is a principality. La Bible dit qu'il n'y a pas de soupçon dans la charité. The Bible says that there is no doubt in love. Tu laisses l'adultère, le vol, la fornication, mais tu soupçonnes adultery, le mal. Les gens, celui-ci ne m'aime pas, l'autre là ne m'aime pas. You tu say, seras this one gouverné. Doesn't love me, this one doesn't love me. Tu seras gouverné par une principauté. You will be ruled by a principality. Si tu as des principes de vie subjectifs, égoïstes. If you have egoist moi, principles of life, ça, moi, me, I don't like this. When I say that, ce que moi j'ai dit. What I said. Un homme normal, a normal man, est capable de renoncer à tout pour le salut des âmes. Is able to renounce everything for the salvation of souls. Paul dit, je me suis fait tout pour tous. And Paul said that I made myself everything for everyone. Quelqu'un qui aime ses points de vue, someone who loves his point of view, he's an idolatre. Même si la maison est renversée, il tient à ses points de vue. Even if the house is overthrown, he is on his point of views. Lève ta main. Put up your hands. On devait intercéder pour les familles aujourd'hui, mais prenons we were encore to pray le temps for families, but let's take time on ourselves again. Dis à Dieu, aie pitié de moi. Tell God, pity me. Dis à Dieu, donne-moi la puissance. Tell God, give me the power. Pour travailler sur les idoles. To work on idols. Frère, il est facile de combattre les démons. Brother, it's easy to fight against demons. Mais pour combattre le moi. But to fight against the self. Les gens deviennent indulgents. People become indulgent. L'homme se pardonne facilement et l'homme veut qu'on comprenne sa situation. People forgive themselves easily and they want people to understand the situation. Si les gens se querellent ici, if people quarrel here, chacun veut qu'on dise que il n'a pas tort.
everyone wants people to say that he is not wrong. Voilà la faiblesse de l'homme. This is the weakness of man. Et chacun explique comment l'autre l'a offensé. And each one explains how the other one offended him. Mais ceux qui font le progrès. But people who make progress. Pour dire c'est ma faute. To say it is my fault. Ils ont vaincu le moi. I overcome the world. Et ceux-là peuvent dire le prince de ce monde arrive, n'a rien à moi. And those one can say the prince of this world comes, but he has nothing with beaucoup me. Beaucoup veulent corriger les autres. Attends, je vais enlever la paille de tes yeux. Attends, many want to correct the rest. Il y a quelque chose dans ton œil. Let me remove this in your eyes. Pendant ce temps, lui-même est là, il ne peut pas bien regarder. Meantime, je vais enlever. Jésus dit, he cannot see very well. D'abord. Jesus said, first remove. La paille qui est dans ton œil, avant d'enlever la poudre qui est dans l'œil de l'autre. First remove what is in your eyes. Before removing the one in the one of the other. Dear Dieu, tell God, aie pitié de moi. Pity me. Prions ensemble. Let's pray together. Dans Acte 19. In Acts 19. Je vais rendre ça simple pour ceux qui n'ont pas bien saisi. I will simplify it for people who did not get it. À cause du niveau de la langue. Because of the level of the language. Acte 19, verset 13. Acte 19, verse 13. Acte chapitre 19, verset 13. À 16. Quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus en disant « Je vous conjure par Jésus que Paul prêche !» Ceux qui faisaient cela étaient sept fils de Séva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin leur répondit « Je connais Jésus, je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous ? » Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux, se rendit maître de tous deux et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. Amen. Ici, c'est l'histoire des enfants d'un sacrificateur. Ils étaient sept. This is the story of the sons of a priest. There were seven. Ils pratiquaient l'exorcisme. They were exorcised. L'exorcisme existe depuis des siècles. Exorcism exists since centuries. C'est-à-dire que les sorciers peuvent chasser un démon par des techniques de sorcellerie. It means that witches can cast out a demon by witchcraft techniques. En utilisant d'autres démons plus forts. By using stronger demons. Un prêtre du vaudou m'a dit a priest of vaudou told me que ils ont ce qu'ils appellent les esprits violents. There are what they call the violent spirits. Qui sont des esprits de folie.
who are spirits of madness. Donc, il libère les esprits violents qui possèdent les gens et les gens viennent pour se faire soigner. So they cast out the violent spirit who are in people and those people come and look for healing. Et il me disait que il te donne un esprit plus fort que l'esprit qui t'agite. He told me that he gives you a spirit stronger than the one who is in you. Donc tu as deux esprits. So you have two spirits. Tu n'es plus violent, mais l'autre vient peser sur celui qui est violent. You are no more violent, but the other one comes and rule on the first one. Donc les techniques peuvent varier selon les sectes. So the techniques can change according to the sect. Mais ce qui est remarquable ici, but what we can see here, c'est que ils avaient essayé de laisser leurs techniques. Is that they tried to leave the techniques? Pour faire comme les apôtres. To do as the apostles. Les apôtres, ils venaient seulement, ils disaient au nom de Jésus. Et puis apostles just came and said in the name of Jesus. Ils trouvaient ça merveilleux. They found it marvelous. Donc ils se sont approchés de quelqu'un qui était possédé. So they got close to someone who was demon possessed. Au nom de Jésus, sors. They said in the name of Jesus, go out. L'esprit les a regardés et dit, mais je connais Jésus, je sais qui est Paul. Look at them and say, qui êtes-vous? I know Jesus, I know who is Paul, but who are you? Et l'esprit les a agressés. And the spirit hurts them. Ils ont fui. They fled. Blessés. Wounded. Les habits déchirés. With all the clothes tied. Ce qui veut dire que les démons résistent. Which means that demons à resist. Ceux qui n'ont pas renversé les idoles. To people who has not overthrown the devils. Sorry, the idols. Est-ce que nous sommes ensemble? The demon resists people who have not overthrown the idols. Quand le Seigneur m'enseignait sur la délivrance, when the Lord taught me on deliverance, il m'a fait comprendre que l'homme, he made me understood that a man, corps, âme et esprit, is body, spirit and mind. Et les démons sont seulement esprit. And demons are only spirit. Si tu vis dans l'adultère, if you live in adultery, ton esprit est identique à l'esprit d'adultère, au démon d'adultère. Your spirit is like the demon of adultery. Donc, quand tu dis sors au nom de Jésus, when you say go out in the name of Jesus, il regarde, il voit que c'est son frère. He looks and see it is his brother. Il dit mais tu es qui? He said, who are you? Tu es corps, âme, esprit. Mais ton esprit you are est body, comme lui. Soul, vous and spirit. Avez les mêmes fonctions. But your spirit is like him. You have the same function. Donc, si c'est la colère, so if it is anger, il te regarde. He look at you. Il voit que c'est son frère qui est en toi. He see that it is his brother who is in ton you. Ton esprit est un esprit de colère. Your spirit is a spirit of anger. Parce que il a triomphé de toi. Parce que la colère a triomphé de toi. Because anger has overcome you. Donc quand tu te repens de la colère, so when you repent from anger, la lumière entre dans ton esprit. Light comes in your mind, in your spirit. Jésus a dit que si la lumière qui est en toi est ténèbre, oh combien ténèbre. Jesus said, if the light which is in you is darkness, how, what darkness? Être sera plongé dans une grande obscurité. It means that all your body, your being, will be plunged in a great darkness. Il faut que notre esprit soit dans la lumière. It takes that our spirit should be in light. Donc vous expliquez à tout le monde que il so faut you explain everybody that we must remove idols. L'amour de la nourriture. Love for food. L'amour des vêtements. Love for clothes. L'amour de la télévision. Love for TV. Tout ce qui est idole, si tu laisses, everything ça va te combattre. Everything that is idol, if you let it, it will fight against you. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Tout ce qui prend la place de Dieu est une idole. Everything that takes the place of God is an idol. Si les idoles sont déracinées, if the idols are uprooted, d'ici la fin, till the end, il y aura des tremblements de terre. They will have earthquake.
Quand le Seigneur combat, when the Lord is fighting, il libère des pierres en haut là-bas, là, il y a les pierres là-bas. He throws stones in upstairs. We have stones qui tombent sur les ennemis. Which bam, fall bam, on the enemies. Et la Bible dit que quand Samuel a invoqué Dieu, ce que les pierres avaient écrasé dépassait même ce que les gens avaient tué. And the Bible says that when Samuel called upon God, what the stone crushed down was more than what was at the enemies. Renverser les idoles personnelles, c'est inviter Dieu à la guerre. To overthrow personal idols is to invite God into the war. Lui-même, il va descendre. Himself will come down. Il descend. He come down. Et nous aurons des signes qu'il est descendu. And we will have signs that he has come down. Il y aura des conversions, des restaurations dans la marche avec Dieu. Il y aura l'amour fraternel. In the work of God, il y aura des, il y aura des dons à Dieu, des dons spontanés. Et puis il y aura les bénédictions qui descendent aussi parce que le ciel est ouvert. And they will have blessing coming down because the sky is open. Ne tolère pas le péché volontaire. Don't tolerate willing sin. Si tu as un mauvais projet, if you have a bad project, tu l'annules seulement. Tu you l'annules. Just cancel it. Le genre de projet que tu caches, tu avances. The kind of project that you hide and you just move forward. Tu renonces. You renounce. Tu reprends ta place de consécration quand tu es consacré. Ce que tu vis you, quand tu es consacré, c'est ce que tu dois vivre. You take back your position of consecrated person. The life you used to live when you were consecrated is that life that you must live. Tu cherches les relations qui vont te permettre de grandir. Tu annules toutes les relations du quartier. You cancel all the relationships of your area. Qui sont pour jouer, rire seulement. Which rire, are se promener. To joke, to wonder. Quand moi j'ai cru, when I believed, tous mes amis étaient sérieux. All my friends were serious. Ça m'a beaucoup aidé. That helped me a lot. Il y a des jeunes gens qui donnent la vie à Jésus au lieu de chercher des relations avec des dirigeants solides. There are young people when they give their life to Jesus, instead of looking for a relationship with solid leaders, they are just wandering in the areas. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Lève ta main. Dis, oh Père. Put up your hand and say, oh Father. Enseigne-nous. Teach us. À déraciner les idoles. To uproot idols. Enseigne-nous. Teach us. À renverser les idoles. To overthrow idols. Dis Père. Say Father. Enseigne-nous. Teach us. À identifier les idoles. To identify idols. Dis Père. Say Father. Enseigne-nous. Teach us. À nous examiner nous-mêmes. How to examine ourselves. Si tu restes calme devant Dieu, Dieu va te révéler qui tu es. Sans même si tu n'as pas la liste des idoles, Dieu if va te révéler. If you remain calm before God, God will reveal you who c'est ce qu'il a fait you au frère Uri. Si j'avais donné une liste des idoles au frère, il n'allait pas être délivré. Il if I had given a list of idols to the brothers, he would not be delivered. Il allait lire la He would read the list. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Reste devant Dieu. Remain before God. Il va te révéler qui tu es. He will reveal you who you are. Et quand nous allons revenir demain, and when we'll come back tomorrow, nous pouvons porter nos familles. We can bear our families. Mais ceux qui vont travailler, but people who will work, leur poitrine va s'ouvrir comme la poitrine du frère Ori. Their chest will open as the one of brother Ori. Donc tu vois quelqu'un est orgueilleux là, mais le démon c'est une grosse chenille. You see? The man is pride. C'est dans sa poitrine. C'est ça qui gonfle la voix et puis la colère monte. Alors que c'est un gros asticot avec une queue gluante. Vous voyez? You see?
Le diable est exposé. The devil is exposed. Et un esprit comme ça, il veut vivre en toi tout le temps. And such a spirit wants to live in you every time. Dis, oh Père. Say, oh Father. Donne-nous la victoire sur nous. Give us the victory. Sur nos tendances. On our tendencies. Oh Dieu. Oh God. Donne-nous la victoire. Give a victory. Sur nos désirs. On our desires. Sur nos motifs. On our motivations. Donne-nous la victoire. Give a victory. Dans la bataille contre les idoles personnelles. In the battle against the personal idols. Que toute principauté personnelle soit renversée. We overthrow any personal principality. Et quand tu marches, tu cries à Dieu même en marchant. And when you walk, you cry to God even walking. Que le Seigneur te bénisse. God bless you.